des avocats, Monsieur le directeur général de la France, Monsieur le président du tribunal de commerce de Dakar, Madame la présidente de la chambre commerciale d'Axel, Monsieur le directeur général du pays des 2000, Mesdames et Messieurs les avocats, chers invités, il me plaît particulièrement ce matin de présider au nom du président de la République, Son Excellence M. Macbeth, effectivement, comme il l'a dit, d'équiper les avocats en outils informatiques. Cette subvention accordée au barreau du Sénégal par le chef de l'État vise à appuyer le processus de dématérialisation. Vous voyez que j'ai discuté avant pour prononcer le mot. Des procédures au niveau du tribunal de commerce de Dakar dans un souci d'améliorer la célérité et de réduire les délais de traitement des dossiers. Il est important de rappeler que dans la perspective de doter le Sénégal d'un climat des investissements parmi les plus attractifs en Afrique, pour soutenir les activités judiciaires du tribunal, les procédures judiciaires a été identifié parmi les mesures prioritaires à mettre en œuvre par le gouvernement et qui ont pour objectif, entre autres, de faire figurer le Sénégal dans le top 50 des pays les plus attractifs. Je vais finir comme vous l'avez dit. La dématérialisation, c'est une mesure parmi les autres qui vont également suivre et qui vont nécessairement suivre. Et nous avons bien conscience qu'à elle seule, elle nous suit. 2020, 540 billets électroniques devant les tribunaux de commerce et les chambres commerciales ont été identifiés comme pouvant grandement contribuer à ces objectifs. C'est dans cette perspective qu'une convention entre le ministère de la Justice et la société Gaïd 2000 a été signée le 1er juin 2021 pour appuyer principalement l'opérationnalisation en œuvre de la feuille de route du business 2021. Il avait toutefois été fortement recommandé, pour le succès de ce projet, une implication effective des avocats et autres utilisateurs du système de communication électronique mis en place au tribunal de commerce de Dakar. C'est la raison pour laquelle j'avais instruit les services techniques compétents de mon ministère, de mener une série de concertations avec le barreau dans le but d'optimiser